Besoin d'un plan de jeu pour votre défense numérique? Utilisez Surfshark, VPN en un seul clic. 100 d'emplacements, 3200 serveurs, appareils illimités. Surfshark, gagnez le match de la sécurité. Activez Surfshark dès maintenant. Plus d'important, je sais pas. Ils sont importants, en tout cas d'un point de vue comptable et surtout pour pouvoir confirmer les actes de progression qu'on a depuis le match contre Rennes. Et j'espère que tout le monde va avoir à cœur de faire aussi bien et encore mieux pour avoir les 3 points. Je l'ai dit, je pense que oui, c'est un match référent, surtout sur le secteur défensif. Au-delà du fait de ne pas avoir pris de but, c'est quand même une équipe qui est quand même très solide, qui a une belle tenue du ballon, qui court énormément. Et je trouve que même si le terrain était compliqué, qu'on leur a posé des soucis, on n'était pas loin non plus de remporter le match. Donc c'est pour ça que je parle de match référent sur cette opposition. Comment je l'explique? Alors là, c'est une très bonne question. Si j'avais la réponse, on aurait tout de suite amélioré les choses. Après, on a eu des départs importants qui, je pense, faisaient la différence aussi l'année dernière. Donc, il faut reconstruire une équipe, il faut reconstruire des... Même si on avait une base qui est celle de l'année dernière, il faut aussi une adaptation au nouveau. Je pense qu'il faut leur laisser aussi du temps pour vraiment comprendre ce que c'est la Mosson, ce qu'on attend à domicile, ce qu'on attend à l'extérieur, ce que le coach attend et que nous on est un petit peu le relationnel aussi qui se fait sur le terrain pour pouvoir performer tous ensemble comme c'était le cas l'année dernière. Mine de rien, quand même, ça peut paraître peu, mais c'est des changements importants. Le fait de perdre de Eli, de le remplacer par Accor et Kelvin, faut eux aussi qu'ils arrivent à s'adapter. C'est des étrangers, donc il y a aussi ça à mettre en compte. Même si Tamari a fait un très bon début de saison, on l'a pas eu pour blessure, ce qui fait que forcément aussi on perd des joueurs. On a Arnaud qui fait un bon début de saison, puis qui se blesse. En fait, on essaye de jongler dans une rotation. Et je pense que si on avait eu vraiment le 11 type, on aurait peut-être un peu plus performé. Après, c'est les aléas aussi d'un groupe. Je pense honnêtement qu'il y a un groupe très homogène, que ce soit entre les anciens et les plus jeunes. Après, à nous les anciens de pousser pour que les plus jeunes aussi nous aident. Et je pense qu'on arrivera à trouver un équilibre si on continue à se baser sur la première mi-temps de Strasbourg, notamment, qui était, moi je trouve, défensivement, mais surtout offensivement très bonne, ou Rennes où c'était 90 minutes, collectivement, défensivement, on a été très bon. Donc je pense que c'est surtout arriver à trouver l'équilibre, arriver à trouver un petit peu, je vais pas dire le 11 type, mais l'année dernière, quand moi j'étais de retour, on n'a pas beaucoup changé le 11. Ça a été quand même assez, assez linéaire. Là, depuis le début de la saison, par blessure, par diverses raisons, ça bouge un petit peu. Donc peut-être que ça peut expliquer qu'on n'ait pas encore trouvé notre équilibre, mais je trouve que voilà, c'est de bon augure pour la suite et que ces deux matchs pour nous, ils sont très importants parce qu'après, il y a aussi la trêve et ça serait bien que comptablement et en termes de confiance, on puisse remonter un petit peu dans le classement. C'est possible. Après, je pourrais seulement y répondre après Clermont. Mais en tout cas, pour les objectifs qu'on a, oui, il va falloir passer ces deux matchs. On en a un ce week-end à Lorient qui ne va pas être facile parce qu'ils sont très bons à domicile. Et à Clermont qui a un début de saison compliqué, mais on les a joués aussi en pré-saison. On sait que c'est un collectif solide. Puis avoir aussi l'état de la pelouse quand on va jouer. Donc tout ça fait des paramètres qu'on se projette. Dans 2 jours, on a un match important et je sais que les gars sont tous motivés pour aller chercher un résultat à Lorient. Je pense la question et la réponse en même temps parce que effectivement oui, c'est un profil qu'on n'avait pas, c'est un nouveau profil et je pense que ce soit TJ, que ce soit ceux qui sont Tamari, que ce soit Wabi, on a tous besoin de comprendre ce qu'il attend aussi dans un match et tout ça passe par l'entraînement, forcément ça met du temps parce que c'est pas il n'y a pas une connexion qui peut être entre guillemets innée comme ça pouvait être le cas entre Andy et TJ par exemple, mais c'est le travail et au quotidien en tout cas c'est ce qu'on travaille sur les oppositions, sur les jeux réduits. Je sais que tout le monde fait le nécessaire pour essayer de se comprendre. Il y a aussi la barrière de la langue qui fait que peut-être ça met un petit peu plus de temps que si c'était quelqu'un qui parlait français, mais on fait tous les efforts, et lui de compréhension et nous d'adaptation pour tirer le meilleur de nous-mêmes sur le terrain. Oui. Après, on va pas revenir dessus parce que sinon à chaque conf on va le dire, mais c'est très compliqué, très très compliqué, on le voit bien, même si on n'a pas tenu le niveau qu'on a eu sur 90 minutes à Strasbourg, ce qu'on a fait les 45 premières minutes, je pense que avec le même terrain à la Mosson et nos supporters,
je pense que ça serait passé différemment sur nombreux de nos matchs à domicile depuis le début de saison. Mais c'est un fait. Est-ce que dans 15 jours, elle sera mieux? Je pense pas. Est-ce que dans un mois, elle sera mieux? Je ne pense pas non plus. Du coup, bah voilà, faut qu'on change un petit peu le profil. Et ça, c'est des choses aussi qui, en fait, compliquent un peu notre chose parce que c'est pas notre style. On doit s'adapter, mais à contrario, pour les équipes aussi qui viennent, c'est peut-être pas forcément leur style non plus. Ce qui fait que voilà, contre Rennes, ça a été un petit peu équilibré et que ça aurait peut-être pu basculer pour nous. Mais ils ont été aussi embêtés que nous, je pense, parce que techniquement, c'est une équipe qui est quand même très habile. Et on le voit quand ils jouent à domicile ou que ce soit dans les compétitions européennes. Maintenant, voilà, nous de nous adapter. Et j'espère et je sais que le club fait le nécessaire pour nous donner les meilleures conditions à la Mosson. Maintenant, ça prendra le temps que ça prendra, malheureusement. Bah, vous l'avez bien vu, je pense que j'ai relancé très peu court, ce qui n'est pas dans mon habitude de dégager. Mais là, ça ne veut pas dire que c'est zéro risque, mais on est obligé. On est obligé parce que voilà, moi qui aime bien le relationnel avec mes défenseurs dans le jeu ou même mes milieux de terrain, quand je leur donne une balle de haut jeu et qu'elle fait ça et qu'il a la pression dans le dos, il perd la balle. Grosso modo, ça peut être but. Donc on essaye de mettre la balle plus loin pour éviter le danger. On change, on est plus sur une possession plus haute, un jeu plus direct peut-être. Et pour ça, on a tous besoin de s'adapter parce que c'est pas dans le profil de Joris, c'est pas dans le profil de Jordan, ni de TJ, et non plus d'accord. Du coup, on essaye de trouver un petit peu cet équilibre de jeu qui est pas, entre guillemets, dans notre ADN. Mais c'est à nous de nous adapter aussi. Après, je vais pas rentrer là-dedans parce que sinon je vais dévoiler des secrets. Mais non, c'est des choses qu'on a mis en place à la pré-saison. Il y a des choses qui sont travaillées, il y en a qui sont plus au feeling. L'année dernière, c'était pas le cas. Cet été, avec la pré-saison, on a pu mettre des choses en place. Et je pense que c'est bien aussi pour tout le monde d'avoir un petit peu ces codes, de savoir les mouvements qu'il va y avoir, parce que ça permet de, entre guillemets, d'être en avance sur l'adversaire quand ça se passe bien. On a toujours une alternative de jeu si on voit que la situation ne sort pas du tout comme on l'a travaillé. Ça permet de faire des passes décisives. Ouais, ça c'est autre chose, hein. Ça c'est sur 10 ans, des Roland, j'ai dû en faire un paquet, c'est la première fois que ça marche, donc voilà. C'est rigolo, j'en parlais avec ma femme cette semaine parce que j'y suis pas retourné depuis que j'y suis parti en fait. Voilà, donc ça va être particulier aussi pour moi parce que voilà, c'est un club très important sentimentalement et au niveau de la carrière que j'ai eue. J'ai fait beaucoup d'années là-bas, j'ai connu énormément de choses, que ce soit positif et un peu plus compliqué. Donc ça va être particulier. J'aurai beaucoup d'amis aussi qui vont être là-bas. Donc mais en tout cas, j'y vais avec la volonté de gagner. Là-bas, le dernier souvenir, c'est pas le meilleur parce que c'est quand on descend. Donc forcément, c'est celui qui est le plus amer. Après, là-bas, c'est là où j'ai commencé en Ligue 1. Donc pour un joueur professionnel, c'est peut-être le moment le plus fort. Et puis c'est là où on m'a vraiment donné ma chance, où j'ai pu quand même assez jeune commencer en Ligue 1 avec de la stabilité. Première fois aussi j'étais capitaine en Ligue 1. Tout ça c'est des choses qui marquent forcément dans une carrière. Et puis surtout c'est un petit peu à l'image d'ici, le club a pas énormément changé, en tout cas dans les personnes qui sont là-bas, et je trouve qu'il évolue quand même plutôt bien au fil des années. Il n'y a pas de débat. C'est lui qui a révolutionné, je pense, le club de Lorient. Après l'arrivée de Monsieur Ferry aussi, a permis de donner un nouvel élan sur le côté financier et surtout pousser le club à devenir ce qu'il est, même s'il y a eu un moment compliqué avec la descente, il a fallu remonter, etc. Mais je pense que la descente, au final, a peut-être fait du bien aussi au club pour pouvoir revoir ses objectifs et vraiment travailler main dans la main avec tout le monde. Et aujourd'hui, je trouve que ce qu'ils produisent et ça correspond à ce que ça pouvait être le Lorient sous Gourcuff. Maintenant, Régis aussi a emmené sa patte et moi, en tout cas, même si en étant vraiment très honnête, je trouve que ça joue au football et c'est ce que j'aime regarder. C'est deux profils totalement différents, exactement. Après, forcément, j'avais beaucoup plus de relations avec Chris par rapport aux 6 mois que j'ai passé à je pense tout jouer ou quasiment tout jouer avec lui. Là, les choix du coach sont de mettre Béchir, qui est un jeune, je trouve, très talentueux. Un profil aussi qu'on n'a pas forcément, qui est différent de Chris, qui est beaucoup plus, on va dire, dans le jeu, mais aussi combatif. En tout cas, ça se passe très bien. Le relationnel aussi avec lui, en tant que gardien-défenseur. Je pense qu'on a... En tout cas, le week-end dernier, fait du beau travail défensivement tous ensemble.
Pourquoi ? Parce que déjà, premièrement, les premiers contacts que j'ai eus étaient avec Montpellier et pas Lorient. La priorité, moi, à partir du moment où j'avais discuté avec Laurent, c'était Montpellier. Forcément, en tant que joueur, on doit se sécuriser et étudier ce qu'on peut étudier. Le projet de Lorient était tout aussi attrayant. Après, plus sécuritaire, dans le sens où je crois que quand on discute, il doit être quatrième de Ligue 1, donc rien à voir avec Montpellier. Mais il n'y avait pas... Je voulais jouer, avoir la certitude de jouer, et je savais très bien qu'ils ont un gardien qui est très talentueux. Quand il allait revenir, j'allais aller doucement m'asseoir sur le banc, ce qui aurait été normal parce que c'est lui le numéro 1, c'est lui qui aurait mérité de jouer. Et c'est ce qui m'indirectement, pas me dérangeait, mais je voulais aller jouer et prendre du plaisir. Et je pense que voilà, tout le monde a compris le message, et puis ça s'est finalement concrétisé avec Montpellier à mon plus grand bonheur, donc voilà.